Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Dom Gane Ndiaye, Warul Tite, Warul, Ragal Ali Cissé, Mbaye Niane Nako, Douma Ñew pour le match face à la Guinée-Bissau. Donc, lolu day oubil le porte de la tanière à Lys Moussa Mendy et à Boulaye. Pourquoi? Parce que Mbaye Niane, Famara Diédhiou, Aïou Diallo, ils étaient sûrs d'être convoqués par Ali Cissé, sauf blessure de dernière minute. Mais gisene comme Mbaye Niane décliné né du ñew, donc ça libère une place en attaque avec Mampa Matiap qui n'est pas en forme. Donc il reste deux places en attaque pour Ali Cissé. Donc même Boulaye et Lys Moussa Mendy peuvent être convoqués tous les deux en équipe nationale du Sénégal. Donc ça laisse un boulevard en attaque pour les deux binationaux qui tapent à la porte des Lions du Sénégal. Donc Mbaye Niane ñewul, mais ça laisse la place à Lys Moussa Mendy et Boulaye. Donc une chose est sûre, sauf cas de force majeure, on aura Lys Moussa et Boulaye. Au minimum, Lys Moussa ou Boulaye, ñom ñaar kenn dina ci ñew, ou bien au grand maximum Lys Moussa et Boulaye dans la tanière. Donc on aura du 109 en attaque des Lions du Sénégal. Donc ça c'est très très clair. Moussa Konaté, est-ce qu'il sera zappé? Moussa Konaté, mais il a des difficultés au côté, donc du côté Damien, il est sur le banc des remplaçants. Donc Moussa Konaté risque d'être encore zappé par Aliou Cissé. Donc l'issue vient d'être jouée le 19 mars prochain. Donc au cas où, si la CAF ne suspend pas les éliminatoires, parce que avec le développement, la propagation de la pandémie qui est le coronavirus, Mounaam CAF aussi dans les derniers instants m'ont annulé. Donc les matchs des éliminatoires, en tout cas, donc Lys Moussa Mendy et Boulaye Dia, ils sont bien partis pour venir, surtout avec le forfait de Mbaye Niane et la méforme de Mampa Matiam. Donc défense, Pape Abou Cissé, Ousmane Ba s'est présenté en l'axe des Lions du Sénégal, un ou deux nouveaux gardiens, parce que Ali Cissé maintenant choisir Bagnoo aussi qui est Abdoulaye Diallo. Maintenant au Bingourou Camara, Baye Assane Cissé avec Edouard Mendy. Donc faut aussi le suspense demeure. Une chose est sûre, on aura minimum un nouveau gardien. Au cas où Douo Abdoulaye Diallo, on aura deux nouveaux gardien. Donc c'est ce les changements au niveau de la tanière que pourrait opérer Ali Cissé pour les matchs face à la Guinée-Bissau. Domou Gane Ndiaye, Warul Tite, Warul Ragal.